idiotie, procès digne de l'Inquisition, décision injuste, jugement monstrueux. Les réactions à la condamnation des Pussy Riot se sont multipliées au sein de l'opposition russe. Pour l'un des avocats des jeunes femmes, il n'y a pas de doute, le président russe a tiré les ficelles. Comme je l'avais dit, on s'attendait à une condamnation, a-t-il déclaré. Cette décision de justice n'a pas été prise dans ce tribunal et n'a pas été prise par la juge. Elle vient d'en haut. Ce jugement, c'est la décision politique du Kremlin, de Vladimir Poutine. La chef de la diplomatie de l'Union européenne a jugé la sentence disproportionnée. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a déploré une tendance à limiter la liberté d'expression. L'Église orthodoxe russe a demandé ce vendredi aux autorités de faire preuve, je cite, de clémence envers les condamnés dans l'espoir qu'elles renoncent à toute répétition de ce genre de sacrilège. Fin de citation. Le porte-parole du patriarcat avait estimé que les jeunes femmes avaient commis un crime pire qu'un meurtre.